Ah ouais, tu veux vraiment que je te dise pourquoi ça a foiré? T'es allé dîner avec ce mec que tu venais de rencontrer. T'as couché le premier soir. Donc évidemment, il a dû se dire que c'est un truc que tu faisais tout le temps et tu peux pas lui reprocher de penser ça. Quoi qu'il en soit, ce gars t'a jamais rappelé, pas vrai? Non mais c'est pire que ça, Ashley. Depuis tous les jours, j'essaie de l'appeler des dizaines de fois. Il répond jamais. J'avais loupé cet épisode. Sérieux, pourquoi tu fais ça? Un portable, c'est l'arme de torture la plus efficace dans une relation. C'est très simple, soit tu rappelles jamais l'autre, soit tu l'appelles tout le temps. Si le mec t'appelle pas le premier jour, tu vas te dire que c'est une tactique et tu vas pas trop t'inquiéter, tu vois. S'il t'appelle pas le deuxième jour, tu commences à te poser des questions. Et si le troisième t'as pas de nouvelles, là tu tombes amoureuse. Maintenant, si un mec couche avec une fille le premier soir et qu'ensuite elle le harcèle de coups de fil, bah le gars, il va ressentir une telle pression que même s'il avait envie de la revoir, en fin de compte, il préfère se raviser. Donc t'es en train de dire qu'il a raison, c'est ça? Bien sûr que non. Je te dis simplement pourquoi il a fait ça, comme tant d'autres. C'est dans leur nature d'être prévisible, médiocre, grossier, insensible, menteur, manipulateur. En gros, d'être des connards.